N'hésitez surtout pas à me dire s'il y a une mouise dans le potage. Oh putain, mais c'est chiant. Ouais, ça va. Pour moi, ça va être chiant. Vous n'avez rien dit. Non, mais webcam, t'es dégueulasse la webcam. Tu devrais avoir honte. Honte à toi la webcam. Non, reviens. Oh là là, j'ai bataillé avec. Elle veut même plus s'allumer. C'est fou. C'est fou. Bon, je vais me faire dessus, moi. Si je passe par un autre port USB, je vais tendre le câble à mort, mais bon. Ah non, de toute façon, je vais avoir besoin de la webcam pour les Lego, donc autant qu'elle soit sur le bon port. Aïe, 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 aïe. Allez, on y croit. Je sens que je vais me faire dessus. Je peux vraiment hurler, hein, si je suis dans le mal. Attention, c'est Halloween-esque, je peux me faire dessus. Ouais, repile poil, oui, c'est bien, t'arrives au bon moment. Là où là. Il n'y a plus qu'à prier que la webcam pète pas. Si la webcam pète, vous vous excitez dans le chat pour me le dire, parce que je vais être complètement accroché au jeu. C'est vrai que j'ai négligé le câble internet, j'y ai plus pensé. Alors, mais c'est pas grave, je peux jouer hors ligne, donc au moins j'aurai la paix. Ne pas éteindre parce qu'il y a du sang à l'écran. D'accord, ok. Alors, continuer, nouveau, option, manuel, classement, galerie, crédit, chez la fin de ta vie. Option. Affichage. Large ou original? Non, bah, je veux dire original, le ratio, parce que je suis en 4 tiers. Commande, luminosité. Luminosité. Attends, on va augmenter la... Régler via le jeu. Ah! Régler via le jeu. Attends, qu'on voit bien quand même. Mais... Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je pense que vous verrez assez bien. Audio. C'est moi ou on n'entend pas la console? Bah, la musique, on va un petit peu baisser la musique. Un petit peu, qu'on entende bien les sons. La langue. Portugais. Ouais, avec sous-titres. Non. Oui, bah au moins, on va éviter les téléchargements à la noix. Je vais me faire dessus. Sauvegarde réussi. Manuel. Eh, hey, c'est écrit petit, eh oh. Oh la vache. Va te flinguer les yeux, toi. Alors, c'est quoi les touches? Arsenal, viser, viser, arsenal, carte, attaquer lorsque vous visez, tac, tac, d'accord, ok. Statut, annuler, recharger, d'accord. Nanana. Putain, mais écrivez plus petit pendant que vous y êtes. Ils sont cinglés, eux. Normal, attention, danger, poison. Ouais, bah comme tous les RE. Combiner, examiner, utiliser, en papaouté. Ah, il va me faire dessus.
J'ai déjà peur. Compléter le jeu. Vous pouvez débloquer des bonus selon la façon de compléter le jeu. Essayez différentes choses lorsque vous progressez dans le jeu. J'ai beau. Bon bah on va faire nouveau. Continuer, il n'y a pas, j'ai jamais joué. À moins que mon neveu ait joué sur ma console sans me le dire. C'est possible. Bonjour Ascarcapac. Le bon Malky qui est là. J'espère que tu vas bien Ascarcapac. Merci à toi de faire un coucou alors que je vais me faire dessus. C'est un jeu d'horreur. Ah, soupir. Je sens que je vais vite perdre toute ma virilité dans quelques minutes. Ah là là. Donc original, commande originale, sous-titres, oui, j'ai failli dire sous-titres originaux. Question. Quel est votre style de jeu? Vieille école, vous êtes un joueur invétéré. Joueur, vous aimez les défis. Casual, ça veut dire joueur du dimanche, vous jouez pour le plaisir. Un entre-deux. Un entre-deux. On va dire, on aime les défis. Approuvé. Pas moi. Je vais mourir. Oh, dites-moi qu'ils sont beaux. Ils sont beaux. Ah. Ah, magnifique. Allez, on va faire Jill Valentine du début. Quoi, un petit juste avant de partir me promener. Eh ben, merci pour ton petit juste qui fait plaisir. Non, tu voulais dire un petit coucou juste avant de partir. Coucou au chien-chien. Moi j'aime bien dire les filles pour canner les noisettes. Vous entendez bien le jeu? Moi j'entends presque rien. J'ai l'impression que ma PlayStation n'est pas forte. Je me trompe? Renache. C'est bizarre. Le son est très faible pour moi. Je vais peut-être devoir augmenter la sono, attendez. Alpha team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of their mission. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. J'ai mis mon sirop hors de portée. Save for the remaining body of Kevin. Non. Elle est bien la nouvelle intro. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Le cauchemar. Vachement bien fait. Ah. 18 plus. Comment qu'il s'est fait déboîter? Ah. Oh, il va falloir que je fasse face à ça en plus. Puis assez tôt. Oh. Ils sont horribles. Moi aussi, je suis choqué. Ah. Super bien fait. Oh, les boules. Hey, Brad!
Il va faire le tir de maître. Chris, this way. Le manoir paraît si lointain. Tenter de survivre dans un monde épouvante. There are only three Stars members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. J'ai vu la même chose dans Minecraft. Where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find. Putain, what was that? Les jetons déjà. Arrêtez de tirer. No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Allez les petits jeunes. A dining room. Oh c'est beau. Bon visiblement tout est bon hein, le son, le... Oh là là, faut que je m'habitue. Qu'est-ce que c'est beau! Le jeu est magnifique! J'adore! C'est beau! Je découvre! Hein. J'avais vu quelques extraits il y a longtemps. I think you'd better take a look at this. What is it? Je l'ai dit déjà là. Blood. Jill. See if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Oui, Barry Burton est un beau gosse. Oh, les contrôles à l'ancienne. Attendez. Ouais, là, pan pan pan. D'accord. Je vais pas gâcher les balles, hein, mais j'apprends. Oh mon dieu! Mais tout est inexploré, monsieur. C'est la même scène comme dans le 1 du 1. Allez, hey, on va avoir un beau défilé de portes. Zombie. Oh, la fenêtre est ouverte. Ils vont nous foutre un corbeau en bonus. C'est trop bien fait, c'est honteux. Je vais me faire dessus. Jusque là, c'est du connu. Ah, ah, c'est répugnant. Ah, qu'est-ce qu'ils ont bien fait le jeu. Barre-toi, ma grande. Attends. Ah oui, c'est vrai qu'il peut m'aider, c'est un gentleman. Attends, c'est un gentleman, barre-toi, il va faire pour toi. Et là, on voit le mec qui se casse. Démerde-toi! Non! What is it? Look out, it's a monster! Let me take care of it. Thank you. Merci. J'aime quand tu gâches tes balles pour moi. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Oh, il y a une musique là de dang 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 qui me fait flipper. J'ai en arrière-plan dans les oreilles, c'est horrible. Ouais, d'abord Wesker, ouais, on va voir d'abord. Le zombie avait rien sur lui. Hein. Non.
Non, l'emblème va pas me servir maintenant. Je pense pas que je puisse péter le décor, hein. Ça doit pas être dynamique à ce point. Enfin, si je suis vraiment dans la mouise, on vérifiera, mais... Je suis vraiment... Pardon ? L'horloge. Lorsque les deux se transperceront, le chemin de votre destinée souffrira. S'ils ont repensé des énigmes, ça va être terrible. C'est quoi ce duel ? Un tableau représentant deux chevaliers qui se battent. L'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine de l'un des chevaliers, tandis que la longue épée a transpercé la tête de l'autre. Violence ! C'était quoi du coup ? C'est Wesker, le salaud, il a déjà fait le tour, il a fermé derrière lui. Oh ! Normalement le zombie est pas censé se barrer. Non, je veux pas le... Oh là là. Je clique pas là où il faut. Oh merde. Le zombie a été mal abattu. Alors ça, c'est déjà une première variante par rapport au tout premier. Ne me dis pas qu'il est sous la table de dîner. Non. Non, ne me dis pas que le zombie s'est relevé et a été suffisamment intelligent pour ouvrir la porte et la fermer derrière lui. Là, vous voyez, je suis déjà... J'espère qu'ils n'ont pas commis des fautes de goût. Et de logique. Wesker! Jill, help me look for it. Let's not leave this hall. Good idea. Ok, bah... C'est très lumineux. Pour me barrer en courant, je fais comment? Elle peut courir, non? Parce que je sens qu'à un moment, j'aurais besoin de prendre la peau d'escampette. Donc là, elle vise, mais comment qu'elle court, la miss? Ah, c'est comme ça. Ok, c'est carré, c'est... Yekoud, la 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 la. Voilà. Est-ce qu'il y a une surprise derrière l'escalier? Ah, alors là déjà ça change. Oh là, les salopards. Il n'y avait pas ça avant. Ça c'est nouveau ça. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We can easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Ce gentleman. Ah, trop bien. Merci, Barry. Thanks. I may need it. Listen. Ça. Something happens. T'as pas idée. In this hall. Got it? Okay. Tu m'étonnes que tu vas en avoir besoin, ma grande. T'as pas idée de l'usage que tu vas en faire. On va en faire 100 fois l'usage. Allez, on prend son courage à deux mains et on commence à faire le rez-de-chaussée. Les portes sont magnifiques. Oh, le jeu de lumière revisité, quoi. Un portrait est accroché au mur. On jugerait qu'il vous observe. Waouh ! Mais la direction artistique qui s'est défoncée à faire du grand art.
Alors, normalement, il y a un malheureux zombie là-dedans. Ah, c'est trop sombre. Ah. Ah. Je me souvenais pas que la pièce était aussi grande. Je... Non, il n'y a rien. Diverses fournitures d'art plastique. Oh. Le poignard. Bah oui. Oh. Fuite d'urgence. Si vous utilisez des objets de défense tels que des poignards, vous pouvez vous échapper momentanément lorsqu'un ennemi vous saisit. Attention. Vous ne pouvez pas vous échapper si l'ennemi vous attrape par derrière. Aigre dégoûtant. Pour vous équiper de l'arsenal tactique, accédez à l'écran d'état, puis sélectionnez un objet dans le menu arsenal tactique. Sélectionnez ensuite la commande équipier. Blablabla. Si votre arsenal tactique est réglé sur le mode manuel dans la configuration de manette, vous devez appuyer sur L2 pour l'utiliser. Je suis en mode manual. C'est ça, Nash, comme d'hab. Non, rien à changer. Diverses fournitures d'art plastique. Non! Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un la tient en joue? Ah non! Feu! Feu la volonté! Vite! Feu! Ah! Quel grand cric, mes cracks! Non! Je suis déjà contaminé, au secours! Je préfère me battre dans la grande pièce, hein. Mais non, mais... Non, Jill, t'es pas sérieuse. C'est pas le moment de faire sa Valérie d'Amido, là. Oh, les mains. Trois balles lui a pas suffi? Mais c'est quoi ces super zombies? Non! Non, mais je voulais le faire prisonnier, j'ai pas le temps de bouger le meuble là pour le coup. Non mais... Mais non, mais c'est abusé! Mais c'est un boss! Ah bah d'accord. Premier zombie, je suis mort. Bienvenue en enfer. Ah ouais, non, mais là... Bah oui. J'ai pas de sauvegarde, c'est moche. Oh non. Ah oui, ce remake est plutôt difficile, et c'est maintenant que vous me le dites. Merci. Ah oui, non, continuez, c'est chargement, d'accord. Ouais, c'est chargement qui dit pas son nom. Ok, j'ai compris trop tard. Resident Evil. Je sens que je vais en baver. Alors, j'hésite. Bon, allez, on accepte le défi, mais... C'est là où ce Resident Evil-là, je vais vous le faire jusqu'à... Mais oui, je suis mauvais, mais va te moquer, petit Seb. Oh, j'ai pas ton niveau. Fini, oui. Je vais vous le faire jusqu'à l'été prochain, celui-là, je le sens. Parce qu'il a l'air horriblement balèze, du coup. Je la sens pas. Non ! J'ai dit non ! Bon, sauvegarde réussie, merci, mais mets-moi mon jeu. Je veux jouer. Tu peux le mettre en facile, on t'en voudrait pas. Ouais. Je vais essayer. Tant pis, hein, je mourrai en boucle. Hein. Je vous préviens. Hein. Je vais crever en boucle. Mais bon, je relève le défi. On peut échanger si tu veux. Oh, tu vas pas me dire que tu l'as pas fait. Encore. C'est cucu, moi, de...
Le vacillement silencieux de la flamme des bougies, ouais. C'est cucu de mettre la... J'aurais presque pu le laisser sur place. Enfin bon, bref. Et puis, il faut que je me réhabitue au contrôle. Alors, attends. Je vais déclencher... On a vu. Je vais déclencher Zombie Zouzou, là. Oui, je crois que le reste du... Attends, j'ai pas fait le reste du couloir, mais le reste du couloir doit être complètement... Oui, petit Seb, le jeu est plus facile avec la miss comme dans le premier. Donc, sachant que j'en bave déjà avec un, la porte est verrouillée depuis l'autre côté. Bon, ça s'appelle le bon vieux temps. Quoi? En vrai, Alien est mon premier jeu d'horreur manette en main. Ah! L'emblème d'une armure est gravé. Ah oui, c'est vrai! Mais c'est pas comme ça dans le 1, si? Ah si, il y a un ascenseur. Oui, l'ascenseur qui mène à la cuisine, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un ascenseur, vous pouvez pas y accéder depuis cet étage. Attends, je peux aller là? Ah, oh, c'est verrouillé. C'est verrouillé, ouais. Emblème d'une épée gravée dans la serrure. Bonjour, Poupon. Comment ça? Mais non, un ours à manger. Ah. Oui, c'est ma coiffe. Ma coiffe d'hiver sanglier. Je l'avais achetée à Europa Park à l'époque. Oh la vache, les anciens contrôles, c'est pas évident. Donc j'aurais fait le zombie qu'on a déjà vu et j'ai demandé à Monsieur Gentleman de me sauver. Non, je peux pas. Ah si, merci. Alors, non! Mais non! Mais j'ai pas le temps de me retourner! Mais merdoum! Et je pourrais presque me barrer là-bas, mais... Ouais, petit sanglier. Barry. What is it? Merci Barry. Bon allez, on va retourner dans le hall. Non, c'est déjà fait croquer. Oh, oh là là, le tyran de la fin, je sens qu'il va, il va me rendre fou. Oui, les zombies sont plus malins. Je vais en baver, je sais. Oui, j'avais oublié cette réplique. Voilà, je vais refaire le tour pour redéclencher une dernière vidéo rapide, là. Et je me retrouverai dans la situation de tout à l'heure. Voilà. Merci. Merci, adorable gentleman. Merci, ouais, c'est ça. Allez, je vais varier un peu. Je vais aller voir la petite porte. C'est fermé. Merde, l'emblème d'un truc moche est gravé. Mais comme j'ai ma surimpression, je vois le gros cœur qui me cache la lecture du... Merde. Bon, j'allais prendre le poignard. Et je vais voir si je peux pas enfermer le zombie, on va voir. Non mais... Voilà. Hop, 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 hop. Le poignard... Merci. Et la scène d'horreur. Oui, je contrôle super bien Jill, comme vous voyez à l'écran. Elle en tombe à la renverse, la malheureuse. Feu! Alors là, tu peux faire ta Valérie d'Amido. Voilà. Là, avec un peu de chance, il fera pas suer.
C'est fermé, c'est ça. L'emblème d'une épée est gravé. Ok. J'ai fermé l'emblème d'une épée. Attendez, j'ai pas regardé les portraits, les beaux tableaux. Des portraits, des photographies, ornes sur le mur, machin réaliste, qu'on s'attendrait à les voir prendre vie d'un moment à l'autre. Oui. À part ça, j'espère que tu vas bien, Poupon. Parce que je suis en train de me faire flipper, là. Zoubi. je peux aller en haut, je crois. C'est un trompe-l'œil. Il n'y avait pas ça dans l'original. Comme un dimanche. C'est le cimetière que le créateur original n'avait pas eu le temps d'intégrer. Je la sens pas du tout. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Putain, il y a des trucs. Une pierre tombale décrépite, elle ne porte ni nom ni inscription. C'est dingue, glauque. Nan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 
Oh, c'est beau. La direction artistique a fait un boulot remarquable. Oh, cette porte horrible vue de dos. Alors qu'à l'intérieur, c'est un magnifique trompe-l'œil. Oh la vache. Donc je présume que vous, dans le public, vous le connaissez celui-là. Ah non, tu connais pas Nash, d'accord. Je me souviens plus par rapport à l'original, j'ai déjà des doutes. Oh la vache. La toile a été bien conservée, les personnages ont gardé leur éclat d'origine. Ah, toi tu le connais Christella. L'inverse m'aurait surpris. Impossible de voir quoi que ce soit dans le brouillard et l'obscurité. Je ne fais jamais de jeux d'horreur, je suis une fiolte. Oui, pour éviter que le suppôt fonde. Oh. Poupon. Il est bête. Un tableau dans un immense cadre. La peinture est sèche et craquelée. Je crois que c'est le balcon, la porte là, avec le pilote d'hélicoptère bouffé par les corbeaux. Ouais. Si ma mémoire me trahit pas. C'est verrouillé. L'emblème d'une armure. C'est magnifique. Magnifique, mais... C'est verrouillé, emblème d'une épée. Oh la vache, il y en a des c'est verrouillé, là il n'y a rien. Ouais, je vais aller voir par la grande porte. Ah oui, c'est au-dessus de la salle à manger. Évidemment. Mais c'est une blague. Bon, c'est la fameuse statue de mes deux. Okay. Mais à ce rythme-là, j'ai pu avoir de flingue longtemps. Coucou. Oh! Coucou, Twinsen, merci de la frousse. Du plomb dans la tête. Il est mort? Oh, il va me mordre, non? Je cours. Oui, 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 je sors déjà de ma douche, ouais. Ma douche de frousse. C'est ça qu'il faut faire. Bing, ling, bong. Un vitrail, le motif au centre semble représenter une femme. Ah, me souvenez pas qu'il y avait autant de portes. Ils ont rajouté des portes. C'est verrouillé. L'emblème d'une épée, blablabla. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Allez. Ah, j'ai loupé un truc qui brille. Qui c'est qui est ? Encore un couteau ? Bah non, je vais pas collectionner les couteaux. Je vais pas en prendre 50 non plus. On va le laisser là.
Et là, il y a quoi? Toc toc, chez le facteur. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Oh, ce manoir de 1. On veut visiter. En fait, il n'y a rien en haut si je réfléchis. Bah oui, tout est verrouillé. Merde. Faut que j'aille en bas à l'opposé. En bas à l'opposé. Si j'y arrive, poil au nez. Même la rambarde centrale a l'air bizarre, mais je verrai après. De toute façon, je vais tellement faire d'aller de retour. C'est beau, hein, les machines plus puissantes. On n'a plus de chargement d'un étage à l'autre. C'est magnifique. Ouais, bah je vais récupérer la pièce. Cette musique. Elle est bizarre la représentation de leur joyau bleu. Il fait presque plastique en aspect. Mais bon. Ça se fouille ça, on dirait un coffre. Non. Ah non, je suis... Non, c'est le piédestal de la statue. J'ai du caca dans les yeux. Bon, le blason plus tard. Ça, on est d'accord, c'est verrouillé. Ah, je croyais qu'il était verrouillé. Putain, j'y comprends plus rien. Attendez. Pauvre de lui. Le corps de votre camarade Kenneth. Il a l'air d'avoir quelque chose dans la main. Là, c'est la cassette qui appartenait à Kenneth. Il me faudrait un magnétoscope pour la visionner. La séance ciné, c'est pas maintenant. Hein? Il s'est fait dévorer à la gorge. Attendez. Comment je fais pour aller dans mon inventaire? Comme ça. Je veux... J'allais dire, je veux recharger, mais j'ai pas de balle de... Ah, le jeu est dur. Le jeu est dur. On peut pas commenter la jolie peinture. Une sinistre représentation du manoir orne le mur. Oh... J'ai entendu un zombie. J'ai entendu un... De la muerte. J'aime pas ce plan. Ben. Ben deux. Ben deux, trois, soleil. Ben. Je vais me faire dessus. T'es moi ou j'entends quelqu'un marcher? C'est grandiose. Hein. Oh, les salauds. Pourquoi ça bouge? Il y a du vent? Il y a un cadavre au sol. Il semble être mort sur le coup. Bon sang, que s'est-il passé dans ce manoir? Oh. Alors, on a la main verte. Je veux de l'herbe verte. Ça me rassure de ne pas être le seul à souffrir sur un jeu flippant. On m'en parle pas. M'en parle pas.
Pourquoi il y a une chaîne qui pendouille au plafond? Ça correspond même pas à un lustre. Oh, bonne maman. Et pas que des confitures, hein. Non, il veut pas y aller. Il avance à reculons. Il y a un macabé au sol. Il va me croquer, cet idiot. Encore heureux que je suis armé. T'es rigolo, toi. Non, 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 non. Gémissement interdit. Non. Non. Non, non. Non, 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 non. Tais-toi. Quoi? Ah, Alan Wake. Ah, j'aime pas les Alan Wake. Sans offense, hein. C'est pour ça que je voulais voir personne qui fait de l'Alan Wake, parce que les quelques heures que j'ai vu des Alan Wake, j'accroche pas du tout. Tout le monde a des armes et pas moi. Bon, il faudra que j'avance, hein, un jour ou l'autre, mais... Non. Est-ce qu'elle peut avancer? Non, elle peut pas. Elle peut pas en braquant. Elle peut pas. Ah, on voit quelque chose. C'est quoi ça? C'est beau et effrayant à la fois. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Bon bah pour changer. Ah! Monsieur, a-t-il toute sa tête? Oh, monsieur! C'est Nestor, c'est le majordome, on est à Moulinsart. C'est bizarre, il est complètement stone. Je suis là. Dance. Diva dance. Oula, elle fait un décalage de... Ouh. Je peux pas passer à côté. Ah! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est la flèche du cimetière! Non, mais lui, il va me poser gros problème. Mourez, monsieur. Et mourez bien. Attends, je peux pas l'achever au couteau, le gars? Ce serait peut-être bien que je m'équipe du couteau et que je l'achève. Attendez. Avant qu'il se relève. Je le saigne. Yalanche! Yalanche! Reste mort! Bon. Oh, ce jeu! Alors, ça, c'est la flèche du cimetière, non? Ouais. Ah, examiner un objet. À partir de l'écran d'état, sélectionnez un objet, puis la commande examiner. Les renseignements concernant l'objet s'afficheront. Encore un miroir. Miroir, mon bon miroir. Quelle est la plus belle? Mon Dieu, mais c'est un corridor sans fin. Le coup des miroirs dans les angles, c'est du génie et c'est du sadisme simultané. Alors, vous allez déverrouiller la porte. Et là, il va dire, vous allez mourir. Ah, là, c'est l'inverse. La porte est verrouillée de l'autre côté. Bon, bah, ah, attends, le portrait au mur. Quelque chose? Non. Non, non, non. Alors, est-ce qu'on n'est pas au-dessus de la salle à manger, par hasard?
On était à l'étage supérieur, non? Je sais plus. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça se tient. Dans le cimetière, le jardin. C'est vrai qu'il y a un effort de mémoire à faire dans le jeu, c'est un truc de fou. Pendant ce temps-là, l'alien a déjà mangé une hache 5 fois. Bah oui, j'ai bien. Je suis mou, hein, vous me connaissez aussi. Je prends beaucoup de temps, je fais du contemplatif, je commande, je fais plein de trucs. Tu dois avoir un plan en principe. Oui, 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 j'ai un plan. Mais même, honnêtement, il faut mémoriser que c'était là. Ah oui, merde, c'était dans mon dos. C'était là. La porte en trompe-l'œil. Alors, le jeu m'avait invité à examiner l'objet. Tu m'étonnes. Alors, j'ai toujours pas sauvegardé. Ça me fait suer de mourir comme un caca. Je me méfie des bruits. Oh non, c'est pas par rapport à ça que j'ai dit ça. C'est quand ton zombie était buggé. Ah! Effectivement. Le zombie buggé. Utiliser, examiner, combiner. Examiner! Mon dieu. Bah, c'est une flèche. On dirait qu'on peut retirer la pointe de la flèche. Ah oui. La pointe est en péridote, aussi appelée l'émeraude du pauvre. Ah. Le péridote. L'émeraude du pauvre. Je ne vais certainement pas dire à quelqu'un qui joue trop lentement, tu plaisantes. Alors, tout bon jeu vidéo, surtout chez Capcom, vous déclenchez un truc quand vous mettez un objet clé. Les morts vont se réveiller. Le plan de caméra veut suggérer que quand je suis là, les morts vont se réveiller, forcément. Ou alors c'est les chiens ou c'est les corbeaux, ce sera pire. Ouais. Je sens que je vais regretter de ne pas avoir sauvegardé. Je sens que je vais regretter. Vous êtes sérieux, vous? A tout à l'heure, Popon, bisous, à tout à l'heure. Quoi? Je croyais que j'accédais à un objet, pas à une salle. Oh, bonne mère. Mais c'est pire que Silent Hill! On est au 666e sous-sol! Ouais, double lurk pour Poupon. Oh, je crois qu'il y a une horrible créature dans le cercueil. Un livre est placé dans la cavité de l'hôtel de pierre. Prendre le grimoire. Non! Il va se passer quelque chose. Non, 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 non. Je sais que le grimoire est là, mais je suis pas pressé. Attends, j'ai l'impression qu'il y a un truc au sol. C'est quoi ça? On dirait un objet. La chaîne bouge. Où mène-t-elle? Je veux même pas savoir. Vu déjà qu'on est dans des grandes profondeurs, là. Une statue de pierre avec des trous à la place des yeux. Une statue de pierre avec des trous à la place des yeux, du nez et de la bouche. Statue de pierre avec un trou à la place du nez. Une statue de pierre avec un trou à la place de la bouche. Les flammes dansent furieusement. Quel est l'intérêt pour moi d'avoir le grimoire? Je me pose la question. Ah
Attends, parce que l'inventaire, il faut gérer la place dans l'inventaire, donc... Le grimoire va me donner des infos. Attendez. J'ai pas examiné la pierre. Bon, elle est singulière, il n'y a rien de nouveau. Cette pierre éclatante est magnifiquement polie, brille de tous ses feux. Ouais, non, il n'y a rien de nouveau. Quel intérêt j'aurais à prendre le grimoire? Je vais libérer la bête si je prends le grimoire à la noix. S'il y a un truc qui me tombe dessus, je me barre et je sauvegarde au loin. Allez, on serre les fesses. Ah, je cours, j'ai peur, au secours. Je veux me barrer de cet endroit lugubre, j'ai trop peur. J'ai peur. Courage, fuyons. Y a pas de monstre, hein. On ne se moque pas. S'il vous plaît. Et là, je suis déjà surpris qu'il n'y ait rien se soit déclenché. Je sens que je vais me faire en papaouter à un moment où je m'y attends pas. Là, tu te vois en miroir. J'ai entendu un bruit. Ça fait plus peur les RE en 2023. Moque-toi, Christella, bien sûr. Je peux lire en toute sécurité le grimoire? Je vais examiner le grimoire. Marche arrière. Elle est ravissante. Hein. Elle est toute mimi, cette demoiselle. Oh là! Je lui donnais une vue horrible avec les orbites bien sombres. Oh, elle devenait morbide, elle aussi. Ben, mon Dieu. Mais très beau. Pourquoi il est déchaîné, Wisebot? L'échange entre Wisebot et Nashevman, c'est n'importe quoi. Attendez, grimoire. Examiner. Waouh. Oh, il y a une clé. Ah bah oui. La clé du manoir. Y a à lire. Grimoire. Les quatre masques. Un masque qui ne parle pas du mal. Un masque qui ne sent pas le mal. Un masque qui ne voit pas le mal. Un masque incapable de parler, sentir ou voir le mal. Lorsque les quatre masques seront à leur place, le mal s'éveillera. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Allez, danse. Vas-y, danse. La danse d'Hélène. Et tu fais le doigt devant et tu fais le doigt derrière. Je vois les boogie woogie. Ah mon Dieu, ce jeu me rend fou. Examinez la clé. Une épée gravée dessus. Eh ben, on va commencer à ouvrir les portes à épée. Les portes à épée. Je vais déjà honteusement sauvegarder. Une vieille machine à écrire. Vous pouvez sauvegarder votre progression. Utilisez le ruban encreur honteusement, oui. Je suis une chocotte, une bleue. Ding dong, my bell, ding dong, ding dong. Singing. Je pense que je vais faire deux fois une heure et demie aujourd'hui de ce jeu avant de passer au Lego. On fera.
On fera les Lego à partir de 17h. Et à 15h30, je coupe pour faire deux fois une heure et demie. Bon, YouTube. Faudra qu'on joue à deux pour se donner du courage. Oui, ce serait bien. Il existe des jeux d'horreur coopératifs, Nash. Et ce serait rigolo qu'on s'organise ça. Faudra que je vous redonne des références que j'avais vues chez d'autres qui étaient pas mal. Ça peut se faire, ouais. Pardon. Alors, les portes à épée gravées. Les portes à épée gravées. Il faudrait que je trouve surtout une salle où je peux... Alors, Dying Light, ouais, c'est plus action que frousse. Mais oui, tu as raison, Torota. Oui, on pourrait. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Bref, porte à épée. Les portes à épée. Un hommage à Alfred Hitchcock. Pas de geste brusque. Chut. Surtout pas de détonation. Surtout pas de détonation. Gentil les corbacs. Très bel hommage à Hitchcock. Nous avons adoré. C'est pour se défouler quand on a passé une sale journée. Oui, bah oui. Je suis pas allé en face d'ailleurs. Maccabé au sol, je sais pas si je pouvais le fouiller. Ah, la porte ne me fait aucune résistance. Qu'est-ce que... Il y a une inscription sur le bouclier. La mort n'est qu'un commencement. Mais vous êtes des gros malades. Ah. Oh. J'ai pas envie d'avancer là. Bon, j'ai sauvegardé. Alors, si ça fait squish, tant pis. Alors, le manoir est méconnaissable. Qu'est-ce que... Ah oui, je prends la clé et le machin m'arrive dans la tronche. Ouais, non mais bien sûr. C'est tellement prévisible. Il y a une inscription sur le bouclier. La mort est la réponse. Ouais. C'est verrouillé, l'emblème d'un casque. Celui qui s'empare de l'emblème trouvera la paix dans la mort. Bah, il va se passer un truc si je dis oui. Oula. Mais bouge! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors attends. Est-ce qu'on peut rembobiner? Marche arrière. On rembobine.
Est-ce qu'il faut se barrer vite en courant? Je pense que c'est pas pour tout de suite. Je pense que c'est pas pour tout de suite le piège. Mais... Il y a une inscription sur le bouclier. La mort est la véritable essence de la plénitude. C'est des grands malades. Ce sont des grands malades. Lui, j'espère qu'il va pas me croquer. Mais il est mort-mort ou il est... Ou il est trop vivant-vivant? C'était quoi ça? Ah oui, verrouillé de l'autre côté. L'autre, il est resté mort. Ouais. Oh, mais il y a un chargeur au pied du miroir. Prendre munitions? Bah oui, bien sûr. Tu m'étonnes que je vais prendre les munitions, je vais pas les garder en photo. Combiner avec mon flingue. Recharge. Vite, recharge ma grande. Je me sens déjà beaucoup mieux. Bon, c'est reparti pour un tour. Porte est verrouillée de l'autre côté. Ouais. C'est du génie. C'est du génie dans l'horreur. Là, je pouvais faire quoi? Ah! J'ai utilisé la clé épée! La clé épée de la muerte! Crochet de serrurier. Drôle de porte. On se croirait en Maghreb. Je la sens pas. Un vitrail, le motif au centre, semble représenter une sorcière. C'est un jeu que tu devrais faire, Christella. Blair Witch. Le coup de la sorcière, là, Blair Witch. Tu vas adorer. J'étais en train de me dire, les plantes en pot, en suspens, la classe comme ça. On peut les faire dans Minecraft? Faudrait que je vérifie là, quand je jouerai lundi soir à Minecraft dans mon coin. Ah bah non, ce soir je joue à Minecraft mais hors antenne. Quand j'aurai rendu mon antenne, quand je regarderai Nash sur son Zelda Isolation, je rejouerai un petit peu dans mon coin à Minecraft. Une sorte de plante à épines que vous n'avez jamais vue auparavant. Tu m'étonnes. Waouh. C'est tellement troublant de redécouvrir le manoir. Attends, si je passe par là, il se passe quoi? C'est pas la fenêtre ouverte que j'avais vue dans le couloir, là? Je crois, hein. Ce serait logique. Il n'y a rien. Bon, là, je peux me barrer dans le... Oui, il est dans ma liste de souhaits. Très bien. Non, tu mélanges tous les jeux. Ah, j'ai dévoyé la porte. Tu mélanges tous les jeux ce soir, Nash. Tu fais Zelda Isolation. Oh là là, il va y avoir des efforts de mémorisation.
Sacré Nash. Je sais, j'ai la carte, mais quand même. Attends, il faut que je déverrouille partout où j'ai la clé épée. Il y en avait en bas, je crois, une porte épée, non? Je sais déjà plus où ça mène. Au-dessus de la salle à manger, je crois, ouais. Ouais, donc c'est pas là, c'est pas là. Il faut que je redescende au rez-de-chaussée. Je crois qu'il y avait une porte épée, là. Une porte... avec le bon sigle. Merde, Homme, pardon. Mais en face, c'était fermé comment, déjà? Ah, la clé épée. Bah voilà, ça fait une salle de plus, ça fait... Ça fait une pièce en plus. Ok, tout va bien. Les assiettes sont pétées dans le présentoir. Quoi? Non. J'ai cru voir un truc clignoter, mais non. C'est beau et flippant à la fois. C'est quoi au mur? On saura jamais. Il était déjà grand à la base. Quoi? C'est une chambre de scientifique, ça, non? C'est beau. Alors, des livres sur de divers peuples de la planète. Des livres sur divers peuples. Ouais, ok. Donc, le gars, c'était un anthropologue. Un journal ouvert. Les pages sont vierges. Ok, tout va bien. Le gramophone. Un disque s'intitule Jupiter. Jupiter. Vous ne pouvez plus porter d'objets. Il faut que je trouve une pièce avec une malle de rangement. Oui. Je m'exclame enthousiaste à l'idée d'avoir des munes en plus. Les synchro-saintes munitions de la moelleté. Oui, bah je reviendrai dans le bureau là, on visite, on voit où est-ce qu'on peut se promener. Je veux une salle avec un coffre. Sinon, je suis dans la mouise. À moi. Aïe, 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 ah, 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 ah. Il sait descendre l'escalier ou pas? Ah, puis il y en a en bas. Non, tire, feu, 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 dans les roubignoles. Non, ah, c'est dégueulasse. Non, tout son manger me tombe dessus. Mais tire, l'autre va arriver. À tout à l'heure, Nash. Tiens, le temps du chargement, je vous dis mes pulsations. Je suis à... Il en met du temps à trouver mes pulsations, lui. 74. Je suis incroyablement calme. 70, 74 ou 79. Là, vous avez lu un 80. Mais on voit mal à la webcam la montre. Mais elle dit 80. Merdoum. Je peux pas déposer au sol.
Oh, merdoum. Il faut que je trouve la pièce avec le... Il me faut une pièce avec le... Le coffre. Il faut que je trouve en priorité la pièce au coffre. Sinon, je vais pas pouvoir... Tiens, d'ailleurs, en bas, ça se passait comment, là, derrière l'escalier de la Muerte? Bon, ça va, je commence à prendre mes aises et des repères. Ça commence à venir. J'ai un peu moins les... Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Vu ce qu'on vient d'entendre, je suis pas pressé d'avoir la réponse. Je suis pas pressé. Je ne répondrai pas à cette question. J'ai verrouillé. Emblème du casque 2002 qui est gravé, hein, 2002. Bon. Remarquez, je me suis pas amusé à reprendre la porte d'entrée. Dans le 1, on voyait le chien monstre qui se bloquait dans la porte. Faudrait qu'on provoque la scène pour voir. J'avais utilisé la clé P. Oh non! C'est le couloir avec les chiens! Oh, je préfère encore faire face à un arachnide géant qu'un clébard. C'est cool, papier peint. Bravo! Ça fait peur. Au retour, je vais avoir des ennuis au retour, c'est obligé. C'est beau. Attends, il y a la porte, il y a le tableau qui va peut-être nous dire des trucs. Alors, une représentation du manoir sur fond de soleil couchant. Vous avez utilisé le crochet de serrurier. Décidément. Quelle étrange porte. Quoi? Mais il y a combien de balcons? Non, non. C'est une échelle? Une charrette rouillée. Elle est recouverte de lierre et il y a peu de chances qu'elle puisse rouler. Ah, c'est le truc avec la plante géante, là, non? Substance chimique. Ah, j'ai pas de place! Le chien, tu m'oublies. Le chien, tu m'as pas vu, tu m'as pas reniflé, tu m'as pas repéré, tu m'oublies. Je veux pas me battre avec les chiens, je les aime pas, je les gère pas, ils vont me tuer d'un coup. On continue dans le couloir. Alors je suis pas sûr dans la profondeur si c'était la fin du corridor ou pas. Salle de bain dégueulasse. C'est rempli d'eau sale. Vider la baignoire, bah tant qu'à faire. On va faire le ménage. Allez, cinématique de chocotte. On va avoir un truc répugnant. C'était quoi? Oh non! Zombie noyé dans la baignoire. Non mais c'est abusé. Mais sors ton flingue au lieu de le regarder. Mais pourquoi elle fait ça? Oui, tu peux. T'as le droit, ma grande. Franchement, t'as le droit. Merci.
Encore ? Mais j'en ai marre de collectionner les poignards, moi. On dirait que l'eau marche encore. Bon, bah. Si à un moment on a besoin de nettoyer un truc. C'est son nom, hein. Ouais. J'ai eu un gros doute. Ouais, j'ai mis le corridor. Le corridor sans fin continue. Il y a quelque chose à la fenêtre ou pas? Non, il y a rien pour la fenêtre. C'est quoi ça? Attends, il y a un truc sur le... C'est quoi le bitonio? Ah, c'est un porte-bougie. C'est un truc à bougie, ça. Non, ou c'est une plante en pot, je sais pas. Rien par la fenêtre? C'est un mirage. Ah, nouvelle pièce. Je veux un coffre. Oh oh. Ah, c'est le coup du fusil. Alors attends. Attends. J'espère que c'est la même logique que le coup du fusil là. Je m'en souviens de ça. C'est beau de redécouvrir en propre le... C'est ça, hein, c'est le truc du fusil. Non, mais non. Je voulais dire non. Oh. C'est plus tard le fusil. Remets-le. Mais non. J'ai merdé mes touches, merdoum. Oui, Ouais, mais en faisant ça, elle est morte. Encore. Putain, mais c'est dingue. Quelque chose a brûlé ici. Une odeur a rempli l'air. D'accord. Des chevaliers, des statues. Il n'y a rien d'intéressant ici. Bon, bah, voyons. Bon, là, on voit que c'est un ruban encreur. Hein. Mais je voulais pas prendre le fusil. Là, le piège va se déclencher. Alors, normalement, Barry devrait me sauver. Au secours, Barry. Ah, au secours. Ah, ah. Ouais, oui, forcément. Tu peux crier. Non, mais elle est sérieuse. Mais crie, appelle Barry au secours. Mais je vais pas défoncer à la... Non. Ça va pas marcher, je peux pas défoncer la porte au fusil ici. Mais et normalement, il va me sauver. Sauvez-moi. Ah. Oh God. What did I do now? Défonce Wesker! La porte. Barry! Help! Jill, merci. You in there? J'étais plus sûr. Get me out of here. The door's jammed. Stand back. Merci. Grab my hand. Ah mais hey, j'ai perdu un ruban encreur moi dans ma bêtise. Parce que le mur il va pas remonter. Non. Faudra que je recommence la scène parce que je joue trop mal. Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Très drôle. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Ouais, Barry à tout prix, ouais. Oh, j'ai trop mal joué, mais merdoum. Oh là 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 là. Pff.
Faudrait que je la refasse sans déconner. Mais il faut que je trouve une salle avec un coffre, bordeloum. Ah! Non, c'est un meuble quelconque, ça. Il n'y a rien sur l'étagère. Au moins, avec le fusil à pompe, je me sens déjà mieux, mais... Voilà. Oh, dis-moi que c'est la pièce avec le coffre. Ah! Ah, je suis deck pour le ruban creur. C'est ça. Alors ça, au moins, c'est propre à l'original. D'accord, ruban creur, spray, premier secours, munitions, pistolet. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer sans merder le coup du fusil. Mais promis, je recommence rapidement. Parce que là, j'ai perdu des rubans creurs bêtement. Donc, pas cool. Pas cool, pas cool. D'ailleurs, je vais faire la coupure YouTube en même temps. Je vais en profiter. Minute papillon. Voilà, pour YouTube, je coupe en deux.